La deuxième partie est aussi divisée en quatre sections, comme la première partie. La première section insiste sur les principes qui fondent une famille réussie et qui sont énoncés dans la déclaration. Elle donne brièvement des exemples de deux de ces principes, la foi et la prière. Demandez à vos élèves de se munir du texte de la déclaration et parlez des autres principes. La deuxième section montre comment les pères doivent assumer leurs responsabilités à la tête de leur famille en la protégeant et en subvenant à ses besoins. La troisième section donne des exemples de mères élevant leurs enfants, et la quatrième montre des cas où les époux, le mari et la femme, agissent en partenaires égaux.